coucou tout le monde, aujourd'hui je vous présente un nouveau livre et ça tombe super bien parce que c'est le Creepy Chibi. Ce livre je l'ai découvert sur la chaîne de Zazou en couleur ou Mélissa, je ne sais plus, une des deux, et coup de cœur quoi, il est juste trop bien, il tombe bien, ce mois-ci il va me servir puisque je vais participer, alors je vais essayer de participer à leur défi, donc du coup je vais vous le présenter. Alors, celui-ci ne vaut pas très cher du tout. Il n'est pas très épais par contre. Hein. Il ne faut pas s'attendre à... ça surprend un petit peu même d'ailleurs quand on le reçoit. Celui-ci, il est au prix de 7 euros. Quoi. Ouais. Voilà, il est au prix de 7 euros. Il n'y a aucun colo en double. Il est vraiment très spécial. Donc on va passer plein bureau et je vais vous montrer tout ça. Donc nous voilà plein bureau, je vais vous montrer ce livre. Si vous êtes fan des films d'horreur ou des trucs comme ça, vous allez reconnaître pas mal de choses dedans. Puisque ça reprend les films d'horreur assez connus. Donc j'en connais quelques-uns, pas tous. Donc voilà. On est sur du papier Amazon, voilà. J'ai été très surprise par contre de l'épaisseur du livre, puisqu'il est très 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 fin. Je ne sais pas si vous allez vous rendre compte. Si je vous compare, par exemple, au Ferry d'Alena Lazareva, si vous le possédez, voilà. On a quand même une sacrée différence. Pour les trouillards, dans ces cas-là, coupez la vidéo maintenant, parce que sinon... vous allez avoir peur. Donc on commence tout de suite avec la première impression. On retrouve cette petite fille, voilà, petit pantin comme ça. Je me demande si c'est pas Annabelle ou un truc comme ça, le film d'horreur. Il me semble, mais je suis pas sûre à 100%. Pourtant j'en ai déjà regardé pas mal, mais je vous avoue que je retiens pas trop les noms comme ça, moi. Hop, voilà, verrai mieux. Ensuite, on nous explique qu'il est sorti en 2021. L'artiste, c'est Lerisa May Marinas. Alors, il y a un accent un petit peu sur le A, donc ça doit se prononcer autrement, je pense. Donc voilà. C'est vraiment la première édition qui est sortie. Vous reconnaissez, comment il s'appelle, Aux mains d'argent, là. Donc voilà. C'est vraiment tous les films d'horreur connus. Je vous le présente plus, hein, ça. Donc voilà. Alors, on retrouve la petite sorcière comme ça. Je pense que vous reconnaissez peut-être à chaque fois. Alors moi, je suis pas calée sur tout, je vous dis. Il y en a certains qui m'ont marqué, mais d'autres un peu moins. Le super loup-garou. Je dirais qu'il fait la gueule, hein. Quand même. Voilà, il y a des super trucs à faire dans celui-ci. Voilà. Massacrer la tronçonneuse. Attention. Ça, je ne connais pas. Si vous connaissez, n'hésitez pas à mettre en commentaire hein, le nom. Ça, on le reconnaît tous. Hannibal Lecter. Vraiment, c'est sympa. J'ai mangé son nom. Frankenstein. Ouais, je sais plus comment ça se prononce, mais c'est ça, quoi. Le chat, il a le même.
Il est juste super. Moi, j'ai eu vraiment un coup de cœur. Je me suis dit, mais des livres comme ça, on n'en trouve pas 36. Si vous en connaissez d'autres, franchement, je veux bien les noms. Parce que alors, c'est vraiment top. Moi, c'est quelque chose que j'adore, quoi. On la reconnaît, hein. Avec le vomi et tout, il y en a partout, si vous regardez bien. Non, non, franchement, c'est vraiment atypique, hein. J'en ai encore pas trouvé d'autres, c'est pour ça que c'est vraiment le seul que je possède dans cette version-là, quoi. Chucky, alors ça, c'est vraiment, je les ai tous vus. C'est Dracula. Je vous dis, il est vraiment, vraiment sympa celui-ci. Bon, petit par contre, mais super sympa. Celui-là, il m'a fait trop rire. Vous reconnaissez Scream? Ouais, celle-là, c'est pareil, hein. J'ai peur. Et malheureusement, je crois que c'est le dernier. Ouais. Me semble. Voilà, vous avez une page blanche à la fin si vous voulez faire des tests. Voilà. Et à la fin, vous avez quelques images présentées dedans. Voilà. On le retrouve sur Amazon. Je ferai quelques petites recherches, voir si cette illustratrice a fait d'autres choses. Et je vous tiendrai au courant si c'est le cas. Peut-être qu'on en parlera pendant un live ou je sais pas, peut-être que j'en ferai une vidéo là-dessus. J'aime bien rechercher un petit peu des informations. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous et bon colo. Bye bye!